Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon canapé. Qui dit canapé dit hall action. Parce qu'à chaque fois que je fais hall action, je me mets dans mon canapé. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est une habitude que j'ai et je l'ai gardée. Voilà. Donc aujourd'hui, on a été à Action parce qu'on avait besoin de 2-3 petites choses pour la maison. Mais essentiellement des choses à mettre encore dans la caravane. Parce que vous savez qu'il nous manquait encore 2-3 petits trucs pour le camping qui arrive maintenant à grands pas. Puisqu'on s'en va fin juillet. Donc ça va venir très vite maintenant. Et... il nous fallait encore des petites choses à compléter dans la caravane puisque vous savez que quand on fait les courses, on achète des boîtes de conserve en plus, des chips en plus, etc. Et à Action, franchement, des fois, il y a des bons trucs du genre le sopalin, le papier toilette, les sauces, etc. Il y a des bonnes, des trucs qui valent le coup. Donc, on y a été essentiellement pour les vacances, clairement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais vous faire un petit haul Action, ce qui vous plaît d'habitude, voilà, à la place d'une vidéo ASMR parce que ça change un peu. Ça évite que ce soit trop redondant sur la chaîne, que ce soit toujours vlog, haul de course, ASMR, vlog, machin. Bref, je me suis dit, allez, un petit haul action, ça va changer. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce qu'on a acheté. Entre deux, j'ai demandé à Doug de se taire parce que vous l'entendez piailler derrière parce qu'en fait il est 18h presque et que Doug a une horloge dans l'estomac et qu'à 18h il se dit c'est bon, c'est l'heure, je dois manger. Donc il pleure, c'est pour ça qu'il pleure derrière. Bon là je lui ai dit tais-toi, donc du coup il a arrêté. Mais si vous l'entendez c'est pour ça, quand c'est pas les animaux c'est les gosses et quand c'est pas les gosses c'est les animaux. Bref, on commence. Alors on a pris ce gros truc paquet de papier toilette. Alors il me semble qu'il y a 10 rouleaux dedans. Oui c'est ça, il y a 10 rouleaux et je crois qu'il valait 2,89€, quelque chose comme ça. Normalement Mathieu doit toujours avoir le ticket, donc on vous mettra comme d'habitude les prix de chaque article, comme ça vous savez un petit peu. T'as toujours le ticket mon chat ou pas de Action? Ok, non mais c'est juste pour après. Donc c'est bon, Monsieur Hibou a le ticket, donc on vous mettra bien les prix en dessous. Donc on a pris du papier toilette comme ça. Donc ça c'est pas pour la maison, c'est vraiment pour le camping. Parce que dans notre camping à nous, enfin à nous, comme si qui nous appartenait, là où on va tout le temps, en fait ils ne mettent pas de papier toilette à disposition parce que les gens font n'importe quoi, qu'ils bouchent les toilettes avec, qu'ils vont jouer avec dans les toilettes et dans les douches. Enfin bref, donc du coup ils ne mettent plus de papier toilette à disposition, il faut avoir le nôtre. Donc jusque là, moi personnellement je m'en fous, voilà. Mais du coup il faut du papier toilette, donc ça ira dans la caravane, comme ça on en aura déjà et on sera tranquille. Ensuite on a pris 4 rouleaux de sopalin, donc ça c'est pareil, ça va aussi dans la caravane parce que à 9 on a tout le temps besoin de sopalin et surtout avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants, du sopalin, voilà, donc on en a pris. Ensuite on a pris aussi des chips Lay's comme ça, donc là c'est saveur poulet rôti, donc ça c'est pareil, ça va aller dans la caravane puisque ça ne se périme pas tout de suite, ça se garde très très bien, sachant qu'on a déjà 2 paquets de Lay's comme ça nature dans la caravane, donc ça nous fera 4 paquets de chips pour les midis, etc. au camping. C'est très bien et c'est des choses encore qui ne seront plus à acheter pendant le camping quoi. On sera tranquille, ça sera fait et voilà. Donc des petites chips. J'ai l'œil qui me gratte, vive les allergies. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a pris différentes sauces, donc on a pris celle-là. On a pris une petite sauce Eyes, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, le gros machin là, le gros, comment ça s'appelle, tube. Gros truc, bref, vous voyez ma main, il est franchement énorme, ça coûtait 3€ et quelques, donc on s'est dit à 9 pendant tout le camping, sachant que les enfants mangent beaucoup de ketchup, et bien on s'est dit autant en prendre. Désolée pour les chiens qui aboient, ils ont décidé aujourd'hui que je ne tournerai pas ma vidéo. Pour continuer dans les sauces, on en a pris une comme ça. Alors, il y a plein de sortes à Action. Je pense que ceux-là, vous les connaissez tous. Donc là, on a pris sauce algérienne. Donc, je ne sais pas du tout quel goût elle va avoir. Mais on s'est dit, pour les barbecues et tout, ça peut être sympa. Donc, on a pris celle-là. Et on a pris aussi sauce sandwich de la marque Amora. On s'est dit, tiens, c'est pareil. Si on a envie de manger des sandwichs ou avec des frites ou avec des paninis.
Souvent en camping, on fait ça, des panini ou des kebabs fait maison. On s'est dit, franchement, c'est le bon plan. Donc, au moins, comme ça, on a déjà trois sauces pour le camping. Et c'est des choses qui vont pas se perdre. Enfin, qui vont pas se perdre. Si, qui vont pas se perdre. Mais qui vont pas se vider en une journée. Donc, normalement, là, les trois tubes devraient nous tenir à peu près les trois semaines. Au pire, faudra juste faire un petit complément. Mais déjà, niveau sauce, on est tranquille. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va continuer toujours pour le camping, comme ça après on sera tranquille. Ça, vous l'avez vu dans les vlogs, on a acheté des torchons. Voilà, alors il y a les gros rouleaux, je sais qu'ils vendent des gros rouleaux comme ça avec plein de torchons dedans. Nous on les avait achetés l'année dernière et franchement on n'avait pas aimé, ils essuyaient pas très bien notre vaisselle. Pourtant je les avais lavés avant et tout, mais je trouvais qu'ils étaient pas terribles. Donc on en a repris d'autres, donc en espérant que ça sera mieux. Donc là il y a des petits dessins dessus, je sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit mieux là, regardez. Des petits trucs. Comme des petits animaux là, je ne sais pas c'est quoi. Un singe probablement. Bref, des petits torchons comme ça. Donc on en a pris des verts et j'avais dit à Mathieu, prends-en un autre mais d'une autre couleur. Où là, c'est une cage à oiseaux. Franchement, ils sont plutôt sympas. Donc là, évidemment, je ne vais pas les mettre tout de suite dans la caravane puisque je vais aller les laver. Mais au moins comme ça, on a des torchons puisque au camping, il faut faire la vaisselle matin, midi et soir. Donc évidemment, des torchons, on n'en a jamais trop. Voilà, donc des torchons. Ensuite on a pris un grand drap comme ça puisque pour ceux qui ont suivi un peu l'évolution de la rénovation de la caravane, vous savez que nous on a un coin chambre avec Mathieu et que pour Sarah et Roxane, puisque Romane dort dans l'extension du auvent, on a la caravane, vous avez un auvent sur le, dans le auvent on mange et etc etc quand il fait pas beau, bref c'est comme un abri quoi. Et c'est ce qui rallonge la caravane. Et avec ce auvent, on a une extension chambre qui fait un peu comme une tente, mais en fait qui est raccordée au auvent. Voilà, donc là, Romane dort là, nous dans notre chambre. Et Sarah et Roxane dorment dans le coin salon, en fait, qui fait coin salon, mais qui fait aussi lit X places. Parce que je ne vais pas vous dire deux places, parce que c'est deux petites. Donc on a compté avec Mathieu, on pourrait mettre 5. En fait, là, les filles vont dormir comme ça dans le lit. Et si on les mettait comme ça, elles dormiraient à 5 et elles rentreraient. Vous voyez, il est vraiment très très grand comme lit et ça c'est génial. Mais du coup, pour trouver un drap, c'était un peu galère. Donc du coup, on a pris un simple drap qu'on calera bien dans les coussins tous les jours. Alors, ça m'embête parce qu'il est blanc et que j'aurais préféré qu'il ne soit pas blanc parce que bah, avec des enfants, c'est jamais évident. Mais il n'y avait pas d'autres couleurs. Mais on a pris un drap 180-200 et il y a encore plus grand. Je crois qu'il y avait 180-300. Là, c'était vraiment très très grand. Mais bon, déjà, ça devrait le faire. Donc, un drap pour le camping. Donc on n'en a pris qu'un parce que on a ce qu'il faut pour sécher au camping. On a des machines et des sèche-linges à dispo. Donc si je la mets à laver le matin, l'après-midi, le drap sera lavé. Il n'y a pas de souci et sera même sec. Donc on s'est dit un seul drap, ça suffira largement. Voilà, donc ça c'est le drap pour Sarah et Roxane pour leur lit parce que on n'avait pas encore ce qu'il fallait. Ensuite, je crois que pour le camping c'est tout. Après c'est des petites choses de la maison. Donc j'ai repris des bandes épilatoires. À savoir que jusque là je me rasais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et franchement, on est d'accord que nous les filles c'est chiant. L'été, on est constamment en train de se raser tous les deux jours. Là, on est toujours en train de se raser et franchement, c'est pénible. Et vous avez suivi aussi dans les vlogs qu'il n'y a pas longtemps, Raphaël, particulièrement plus que Romane, mais Romane a suivi du coup, m'a demandé de s'épiler parce que bah ça arrivait et que ça commençait à la déranger. Qu'on voit un peu que son poil noircissait tout simplement, c'était pas agréable pour elle. Donc elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est possible que je m'épile? Donc du coup, évidemment, je m'étais renseignée avant et il est préconisé pour les enfants de 11, 12, 13 ans de ne pas se raser mais de bien s'épiler. Donc j'avais acheté des bandes de cire froide qui ont très bien marché et même j'ai même testé sur moi et franchement nickel. Les poils, ils ont pas repoussé tout de suite, même là j'ai encore les jambes toutes lisses, donc nickel. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter les vides tout le temps à Leclerc, bon, c'est pas très cher, c'est 2,50€, mais bon, il en faut deux à chaque fois, donc ça monte assez vite. Je me suis dit, je vais essayer celle d'Action. On verra bien, donc je vous en dirai des nouvelles, savoir si elles épilent aussi bien que ceux de Leclerc. Voilà, là, pour le coup, c'est un test. Ensuite, je me suis pris des faux ongles, des trucs que je ne prends jamais puisque vous savez que je les fais moi-même. Mais là, en ce moment, j'ai la flemme de le faire moi-même. Mais j'ai des vidéos ASMR à tourner et avec les ongles
pour faire comme ça, c'est beaucoup mieux parce que là, vous entendrez rien du tout. Voilà, donc il me fallait des ongles. Donc je me suis dit, je vais tester ça. On verra bien ce que ça va donner. Donc 24 petits ongles, j'utiliserai ma colle à moi parce que je pense que leur glu doit pas être magnifique. Mais j'ai pris comme ça, ils sont plutôt mignons. Voilà, avec des petits confettis de couleurs. Donc je me suis dit, allez hop, pour la vidéo ASMR, ça sera très bien. Voilà. Ensuite, je me suis pris des petits bonbons, des Mao Mam. Alors, je voulais pas des bonbons comme ça à la base. Je voulais, vous savez, les petits bonbons rouges, là, en espèce de tube avec un truc blanc dedans. Il y a du sucre dessus. Bref, je voulais ça, les bonbons qui piquent, là. Mais il n'y en avait pas. Donc, je me suis rabattue là-dessus parce que j'aime bien manger des petits bonbons de temps en temps. Voilà, bon, même si je sais que les filles vont m'en piquer puisque je vais la mettre dans la boîte à bonbons. Mais voilà, des petits Mao Mam pour... pour mon petit plaisir, voilà. Et ensuite, j'ai acheté de la peinture, hop, comme ça. Alors, celle-là, pour les enfants, elle est géniale. Moi, j'adore. Celle-là, elle s'en va partout, que ce soit par terre, sur les meubles, sur les draps, sur les habits, sur la nappe de la table, partout. Ça s'en va partout. Et Roxane l'aime beaucoup. Les filles aussi, hein, elles font beaucoup de peinture. Mais en ce moment, Roxane demande beaucoup à faire de la peinture et je n'en avais plus du tout. Elles m'ont usé tous les pots, voilà. Donc, du coup, j'y ai pris bleu, jaune, rouge... et vert, sachant que j'ai encore du blanc et du gris ici, donc elle aura largement de quoi faire, mais celle-là en tout cas, vous pouvez y aller facile, elle s'en va de partout, elle se nettoie super bien et elle est très très bien comme peinture. Voilà pour tout ce qu'on a un petit peu acheté à Action. Donc là, pour ne rien vous cacher, je vais reprendre les sauces, je vais prendre les chips, le sopalin, le papier toilette et on va aller mettre tout ça dans la caravane. Je vais aller laver mes torchons. Comme j'ai pas lancé mes couleurs, ça tombe très bien. Je vais aller lancer mes torchons et puis comme ça, ce sera déjà dans la caravane et on sera tranquille. Voilà. Donc j'espère que ce petit retour de chez Action vous aura plu. On se retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les amis.